Horoscope Balance du 8 juillet 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Le présent aspect de Vénus insufflera du brio dans les relations conjugales. Multipliez les activités en commun avec votre conjoint ou partenaire pour prévenir tout risque de rivalité malsaine. Votre couple pourra ainsi rester un havre de paix. Célibataire, voici pour vous un climat amoureux empreint de douceur et de légèreté, sous l'égide de Vénus. Vous serez enclin à faire assaut de séduction, et pencherez pour l'aventure agréable, le flirt aimable. La vie amoureuse sera gaie, fluide, sans tension ni drame. Horoscope Argent. C'est Saturne qui influencera votre secteur argent. Or, Saturne n'est pas, en matière de finances, le plus joyeux des compagnons. Sachez-le, Saturne se montre favorable lorsqu'on fait preuve de prudence, d'organisation et de sens de l'économie. En revanche, son impact risque de se révéler délicat pour les têtes en l'air qui dépensent trop, s'endettent, ou oublient de vérifier leurs factures. Vous savez donc ce qui vous reste à faire. Horoscope Santé. Le conseil de Saturne, pour évacuer le trop-plein d'énergie qui vous anime en ce moment, la pratique d'un sport de défoulement comme le jogging ou les rameurs semble tout indiquer. Horoscope Travail. Vous aurez peut-être des idées saugrenues aujourd'hui, mais que cela ne vous empêche pas de saisir l'occasion d'une promotion. Vous avez des talents, vous êtes cultivé, n'ayez pas peur de le montrer. Une vue objective des choses et un jugement sûr vous serviront. Horoscope Famille. L'influence de Mars, la planète de l'action et de l'énergie, va se traduire par une soudaine effervescence dans votre foyer. Vos proches seront tous en une forme superbe, et les conversations seront très animées. Même si l'organisation de la vie quotidienne se trouve quelque peu bousculée, cette agitation vous enchantera. Horoscope Vie sociale. Faites-vous plaisir. Multipliez les hobbies et toutes les activités qui vous passionnent. Pourquoi ne pas vous lancer dans la photographie, la philosophie ou l'astrologie? Vous blânerez des idées intéressantes, des expériences utiles, et en tout cas passerez de bons moments en votre propre compagnie. Esperluecot. Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Esperluecot. Erasme.